accès à Abidjan, à Djamé, que toutes les décisions politiques, administratives sont prises avant de faire quoi que ce soit. Ce village, la personne qui a incarné ce village, c'était Feu Nandui Abrogwa. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Nandui Abrogwa, dont le boulevard porte d'ailleurs le nom. Or, il se trouve que Nandui Abrogwa est mon grand-père. Chez nous, les Tiamans, on ne vient pas au pouvoir par lignée. Mais c'est une question de génération. Mais il s'est trouvé que moi, je viens au pouvoir après mon grand-père. Mais ça n'a rien à voir avec la lignée. Alors, merci d'être venu. Nous allons vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à M. Lagounan Clément pour vous faire un peu l'historique de ce qui nous a mené jusqu'à cette situation que nous vivons actuellement. Hein, avant que je ne puisse conclure et vous remercier pour la suite. Alors, merci et Lagounan, je te passe la parole. Merci bien, vénéré chef du village, Boba Simo, de me passer la parole. En tout cas, c'est un exercice pour moi qui serait peut-être un peu difficile, mais je vais essayer d'apporter plus ou moins les informations qu'il faut. Il faut vous dire que le problème qui concerne la Djamé, on parle de quatrième pont aujourd'hui, mais au départ, c'était, on parlait du cinquième pont. Et l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, on parle de quatrième pont. Alors, le quatrième pont, lorsqu'il a été annoncé, nous avons été conviés à une réunion à la mairie d'Adjamé. Comme ça, parce qu'on avait exigé dans le temps que lorsqu'il y a une situation, il faudrait que la notabilité soit associée à toute activité qui se passe dans Adjamé. Parce que nous sommes un village, nous ne sommes pas un quartier. Alors, ceci dit, nous sommes allés à Djamé, à la mairie d'Adjamé, et on nous a parlé du fameux projet du cinquième pont, dont l'avenue Reboul est une voie d'accès, l'une des voies d'accès à ce pont-là. Et aussitôt revenu à la chefferie, nous avons organisé une réunion en direction des populations. Pendant que nous informions nos populations, quelques jours après, nos murs sont marqués en rouge par des chiffres et des lettres. Et comme je dis toujours, le taureau, il craint la couleur rouge. C'était comme un chiffon rouge qu'on étendait vers devant le taureau. Et de là, nos populations, les jeunes en particulier, ne se sont pas laissés compter. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envahi la route, ils ont envahi toutes les artères du village et ils ont manifesté leur mécontentement. Alors, pendant ce temps, la police a été envoyée en renfort pour maintenir l'ordre. Les populations ont été abondamment gazées. Il y a eu des blessés, comme aujourd'hui, blessés graves, les gens traumatisés. Et le chef revenu précipitamment d'un voyage, et c'est la même chose aujourd'hui, à chaque fois il revient d'un voyage, il est en voyage, et c'est pas si les gens s'entendent pour faire des choses comme ça, et il arrive du voyage et il a réussi à calmer l'ardeur des jeunes. C'est ainsi que le chef a dit, cette affaire-là est une grave affaire. Il a mis en place un comité de réflexion relatif au projet du cinquième pont. Ce comité était composé de toutes les couches social et d'âge du village. Ils ont planché pendant des jours. Et à la fin, ils ont sorti ce qu'on appelle le mémorandum intitulé « Opposition du village à l'élargissement de l'avenue Reboul ». Bien avant, une requête aussi a été établie, adressée au président de la République. Cette requête a été signée par les sept villages dont le chef du village en parlait tout à l'heure, les chefs de village, des chefs des sept villages, Big Up, ont paraffé ce document-là. Et ce document-là a été
pendant les discussions avec le ministre des infrastructures économiques, on lui a remis un jeu de ce document. Avec le gouverneur du district d'Abidjan, il a reçu ce document. Le directeur général du BEDET a aussi reçu ce document. Le préfet d'Abidjan, en son temps, M. Sidiki, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, a reçu ce document. Il faut vous dire que ce document a été remis à chaque entité étatique pour prendre connaissance de notre position. Et nous avons, comme je vous disais, ceux qui étaient venus marquer nos murs à la peinture, on les a laissés faire le travail, qu'ils ont appelé l'étude d'impact environnemental et social. Nous avons dit non, au départ nous ne voulons pas, mais on a calmé la population pour dire, mais s'ils ne font pas cette étude environnementale et sociale, comment serons-nous que le projet est faisable ou n'est pas faisable? C'est ainsi que on les a laissés, ils ont fait leur étude. Il y a même des équipes du village qui sont constituées avec eux, qui sont allés sur le terrain. Et à chaque sortie de terrain, on revenait ici et on leur offrait une collation. Est-ce que c'est des gens qui ne veulent pas collaborer avec l'État? Non. Je dis non. Et ils nous ont dit, toutes ces entités-là, étatiques, nous ont dit, ce n'est qu'une banale opération d'études d'impact environnemental et social. Qu'avant toute action, on s'assirait et on discuterait pour voir l'attitude à mener. Mais, chers journalistes, chers frères du village, messieurs les chefs, après 2016, c'est un silence radio. Le village fait un effort encore pour dire, mais attention, nous avons fait laisser les gens faire de l'étude. On ne va pas rester comme ça. On va aller encore derrière eux pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Pendant que nous faisons cette démarche, on nous annonce qu'il y a des fiches qui sont affichées, des listes qui sont affichées au service technique de la mairie, appelant les populations à venir être dédommagées. Mais depuis quand nous sommes assis pour parler de dédommagement? On n'a pas vu les résultats de l'étude d'impact environnemental et social. Et tout de suite, on nous dit... Alors, chers journalistes, c'est ce qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a pris la décision pour dire que même une femme, hein, même une prostituée, quelquefois, elle refuse. Voilà. Parce qu'Agdamé a tout donné. Agdamé a donné toutes ses propriétés foncières, lagunaires, je dirais même, terrestres. Mais aujourd'hui, on nous prend pour des canards boiteux. On n'est pas contre le développement. Nous ne sommes pas contre le développement. Mais il ne faudrait pas que le développement nous emporte. Et ils nous ont dit au départ, je voulais faire rappel que Agdamé Village, c'est un village, ce n'est pas un quartier. On va pas vous ne serez pas traité comme les quartiers. On a dit, mais c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Et on a donné notre confiance. Aujourd'hui, nous voyons que ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, avec ce qui a été fait, avec les manifestations qui ont eu lieu, en tout cas, il y a des oreilles attentives qui se présentent pour que on traite le cas d'Agdamé spécifiquement, et nous pensons que à l'aide de Dieu, nous aurons gain de cause. Je vous remercie. Maintenant, bon, si éventuellement vous avez des questions à poser, le chef est là, la notabilité est là, ils pourront répondre à vos questions. On va prendre deux ou trois questions parce que. Oui. Bon, je voudrais que avant toute chose, avant qu'on ne continue, qu'on ait la liste des journalistes présents ici. C'est là.
Ok, c'est déjà fait. Je pense que non. Ok. Oui, mais ils ont fait. Ah, ok. Vous avez des questions à poser? Oui, s'il y en a qui veulent intervenir, quelques questions. Oui, une voilà. Question. Vous présentez et puis bon, une autre question. C'est fait, c'est déjà fait. La note de journaliste est déjà tombée. Ceux qui veulent intervenir, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Sidi Ansané, la radio RFI. Plus tôt dans la matinée, il y a eu une discussion avec la police nationale. Qu'est-ce qu'on est ressorti au final? Qu'est-ce qui a été décidé avec Sidi à l'issue de cette discussion? Il n'a pas eu de discussion avec la police nationale en tant que telle. C'est une incompréhension. Puisque, après avoir eu écho de ce qui va aller se passer ce matin, nous avons pris d'abord sur nous la responsabilité de prévenir la police en leur demandant d'encadrer la population pour nous permettre de faire une marche pacifique. Au départ, c'est ce qui avait été arrêté. Alors, j'ai demandé à toute la population de se retrouver ici à la chefferie. J'ai même eu à contacter M. le commissaire. Il y a eu une séance de travail. Et on avait dit que ce matin, on avait fait tout juste une marche pacifique, hein, aller de la chefferie au carrefour de la mairie, et puis qu'on revenait à la chefferie. C'était tout ce qui avait été arrêté. Donc tout le monde était ici. Mais vous savez, quand vous programmez quelque chose, ce n'est pas facile de maîtriser la population. Pendant que les jeunes étaient là, ils ont appris que d'autres jeunes de l'autre quartier venaient vers nous. Alors les jeunes n'ont pas voulu attendre. Ils sont allés à la rencontre de ces jeunes. Il a eu l'accrochage là. C'est ainsi que la police a commencé par lancer les gaz lacrymogènes. Excusez-moi, un accrochage entre jeunes ou un accrochage, j'ai pas compris. C'est deux groupes de jeunes qui se sont accrochés. C'est les jeunes d'ici et les jeunes de. C'est ce qu'on en tout cas comme nous aurait. Puisque de l'autre côté, ils sont ici impactés. Hein? Donc, ils veulent passer. Le village a une situation géographique, j'étais un peu privilégié. Parce que ici, c'est le village. C'est une entité tout à fait particulière par rapport aux autres quartiers. Hein? Donc, puisqu'on nous a dit que le village ne doit pas être traité comme les autres quartiers, les gens, la force, c'est le village. Donc, ils venaient en renfort, alors qu'on ne leur a pas demandé cela. Et c'est ainsi que nos jeunes aussi partaient les rencontrer. La police est intervenue. Moi, étant ici, je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé là-bas. Voilà, ça a eu un petit mouvement. Ils ont lancé des gaz et lacrymogènes pour disperser les manifestants. Je crois maintenant tout s'est un peu calmé, mais les jeunes sont encore dans la rue. Puisque nous avons dit à la police que c'était notre mouvement, c'était tout juste de 9h à 13h. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Je vous en prie. Travailleur du quotidien Les Terres, quelles sont vos conditions aujourd'hui pour l'exécution? S'il vous plaît, chacun à son tour, s'il vous plaît. Vous donnez le nom. Le nom. Oui, c'est Travailleur du quotidien Inter. Travailleur Inter. Oui, papa, quelles sont vos conditions, les conditions du village pour l'exécution de ce projet? Bien, bonne question. Écoute. Voilà. D'accord. Plusieurs questions. Bon, posez votre question aussi. Vous. Ma seconde question, c'est que le quotidien soit en cours. Oui. Et parlons donc de la manifestation du matin. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un coup bilan? Est-ce qu'il y a des blessés? Ok. Bon, ok. C'est bon? Non, je vais en prendre les deux passés. Vous savez, j'ai.
D'accord. Oui, le troisième. Je suis jamais d'abord de parler. Comment vous prendre les questions? Je voudrais savoir combien de domiciles seraient impactés par l'élargissement de l'arbitre. Combien est-ce qu'il a été proposé comme dédommagement en référence aux risques qui, dit-on, ont été affichés à la mairie? Il nous revient que ce village, les habitants de ce village ont déjà été dédommagés dans le passé. Donc, merci. Je vais commencer par celui qui a posé la question de savoir s'il y a eu des blessés. Bon, on nous a rapporté que je crois qu'il y a eu deux blessés. Deux ou trois blessés. À balle réelle. Voilà. Un bébé qui a été tué. Voilà, plus c'est pareil qu'un bébé qui a été tué. Vous savez, le gaz lacrymogène est très puissant, il est très nocif. Moi-même, j'étais assis là, puis j'ai senti ça dans les yeux. J'étais obligé de m'enfermer à mon bureau, là. Donc, il paraît qu'il y a eu trois blessés, plus un bébé qui est pratiquement étouffé, qui est à l'hôpital en ce moment. Bien. Maintenant, concernant la première question, tu peux me rappeler la question? Bon, la question que tu as posée... Les conditions. Répétez la question. Répétez votre question. Quelles sont les conditions du village pour l'exécution de ce projet? Bien. Voilà, c'est une très bonne question. Nous, le village a fait un mémorandum. Les conditions, d'abord, la première condition. Tout à l'heure, le Kama, le Clément a bien parlé. Dit, nous, on n'est pas contre le développement. Mais il ne faudrait pas aussi que le développement emporte. On fait le développement pour une population. Vous êtes d'accord avec moi? Le développement a ses avantages et aussi ses inconvénients. Je sais de quoi je parle. Nous sommes à Abidjan. Moi, quand j'étais tout petit, hein, à ce moment, on ne connaissait pas encore la... Excusez-moi si je vais... Parce qu'il faudrait que vous compreniez le bien fondé. Parce que là, c'est un cri de cœur. Parce que l'impression que moi j'ai, en tant que chef de ce village, l'impression que j'ai quand je regarde tout ça là, on dirait que Abidjan et la Côte d'Ivoire se limitent seulement à Abidjan. Alors qu'on nous dit qu'on a 322 000 km² à la Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression que c'est Abidjan. Vous tous, autant que vous êtes, Vous avez des villages. Est-ce que c'est comme ça se passe là? C'est comme ça se passe chez vous? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Si on veut faire les deux. Non, les développements qu'on a fait à Abidjan, côté, il y a beaucoup de développements. Mais ça nous a apporté quoi? Tantôt on dit, ouais, les ébris là, vous avez vendu, vous avez fait ceci. Mais dites-moi, les sapeurs-pompiers juste à côté de nous là, qui a vendu? Dites-moi, si vous en savez. Les sapeurs-pompiers, c'est nos voisins. Hein? Tout cet espace-là, qui leur a vendu ça? Le marché d'Adjamé, on a vendu à qui? Les tours administratives, là, on dit à qui? Et pas plus tard que quelques années, là, la baie de Cocody, dont on parle. On dit la lagune est brillée. La lagune est brillée. C'est pas nous qui avons demandé d'être ici. C'est bon Dieu qui a installé chacun sur ceci. Les gens font des travaux là-bas. La paix de Cocody, au vu au sud de tout le monde. Mais est-ce qu'ils ont considéré le village? Moi, quand j'étais petit, c'est là-bas, on partait nager. Abidjan n'était pas développé comme ça. À l'époque, la journaliste Frat Mat, là, qui a posé une question. Frat Mat, avant, c'était quand j'étais à l'école primaire chez les méthodistes, on appelait là-bas commandant jardin. C'était un jardin, là-bas, Frat Mat. Il y a toujours une petite piste pour aller jusqu'aux 220 logements. Le quartier Liberté, tout ça, c'était des plantations. Pendant la fête des rameaux, c'est là-bas, Liberté, descendait là, c'est là-bas, on allait couper les branches du rameau. Mais bien, c'est développé. C'est nous qui avons vendu ça. Vous êtes avec nous, il faut que vous sachiez la vérité. Quand quelqu'un te tend la main, il ne faut pas vouloir lui prendre le bras. On a tout fait de sacrifice. On a tout fait des sacrifices. Les conditions dont on parle, nous, on a demandé si quelque chose devait se passer. On vient, on s'assoit, et puis, on discute. Il faut qu'on sache les tenants et les aboutissants. Mais vous ne faites pas tout ça.
Vous vous levez, vous pensez que c'est habillant, allez, on prend la décision. Mais entre, dites-nous, avec tout votre bon sens, est-ce que vous pouvez accepter ça? Vous voulez faire, au début c'était le cinquième bon. Après c'est devenu quatrième bon. Mais il y a les autochtones qui habitent là le quartier. On a l'impression que les gens luttent pour notre... C'est-à-dire, il faut qu'on disparaisse. On est là. On est là, quand même. On est, je crois, le plus gros au point de vue démographie chez les Kamans. Nous ne sommes pas les Akans. Très souvent, les gens disent le peuple Akan. Nous sommes des Kamans. Nous ne sommes pas des Akans. Akans, c'est la langue. C'est la langue, c'est la culture, tout ce qui est abstrait. Mais nous sommes des Kamans. Voilà. Les Kamans. Nous sommes là. Nous avons 60 villages. 60 villages. Je suis d'Abidjan. Et quand vous allez, par exemple, à Yopougon, il y a plus de 7 villages qui composent la commune là-bas. Mais à Cocody, il y en a plus de 7. À Tekoumé, il y en a 5. Mais à Djamé, à Bobo, il y en a 3. À Nkwakouté, à Boboté, à Bobaoulé. À Marcory, c'est 3 villages aussi. Mais à Djamé, c'est le seul village qui compose la commune. Et c'est ce village qui a donné son nom à la commune. Donc, en principe, un fils unique, hein, on devait être gâté, choyé. Mais tout ce que vous voyez là, c'est nous-mêmes qui avons fait. La mairie même n'a jamais le même. Quand même, on a fait ça de nous. Quand je venais, c'était dans la rue qu'on se réunissait. Je dis, mais les ébiers, vous barrez les rues. Mais vous voulez qu'on va aller où? On est le seul village qui n'a pas de voix. La voix du village. Notre voie là, c'est là-bas, passe tous les bus. On n'a pas d'intimité. Hein? Donc les conditions, pour revenir à votre question, vous voulez faire quelque chose? Vous venez nous rencontrer? On s'assoit et puis on dit voilà comment ça va se passer, ce qui est bon en plan. Mais les gens ne le font pas. Nous-mêmes, on a fait des propositions. On a donné ce remis, ce rembat, tout ça. Je suis allé s'asseoir. Donc, comme c'est eux qui ont la force, ben, on dit que la grenouille, là, elle est inoffensive. Hein. La grenouille, là, ou bien le crapaud. Le crapaud, il est inoffensif. Le crapaud, il ne meurt pas. Mais ce n'est pas pour cette raison que tu vas le mettre dans ton caleçon pour dormir jusqu'au matin. Si vous faites l'expérience, un journaliste, hein, prends le crapaud, tu vas mettre dans ton caleçon. Puis deux matins, tu viens en faire le reportage. Bon, maintenant, pour répondre à la question de Frat Matt. Oui. Oui, qui demandait combien de domiciles ont été impactés, et combien de maisons, et est-ce qu'on n'a pas été dédommagé dans le passé? Bon, voilà. C'est une très bonne question. Mais très souvent, les gens disent que voilà, les ébiles, là, ils ont été dédommagés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Voilà, moi, depuis que je suis là, je ne sais pas combien mes parents ont reçu. Si les gens nous ont demandé. Parce que c'est vous qui devez être nos avocats après de tous ces gens qui se posent des questions. Vous savez, les jeunes, là, quand ils s'élèvent, ils disent que moi, le chef, moi, j'ai vendu le village. Tu vois, le chef, j'ai vendu le village. Parce que le chef, il est de connivence avec l'administration. Donc, c'est à tort ou à raison. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire exactement combien de maisons qui sont impactées. Mais ce qui est sûr, c'est que moi-même qui vous parle, je suis concerné. Vous savez, là, à Djamé, l'essence, là même d'Adjamé, c'est le chef et puis la résidence de mon grand-père, Nandu Abrogwa. Hein? Donc, moi, la résidence du chef doit sauter, l'église catholique saute, l'église d'Arit saute, Nandu Abrogwa saute. Et 20 mètres de chaque côté. Mais si on fait passer, imaginez-vous, une voie express en haut du village. Le village a disparu. Dites-moi. Parce que cette voie-là, c'est là-bas. S'il y a les moments de réjouissance, comme les moments de tristesse, c'est là-bas qu'on fait tout. Mais si cette voie disparaît, c'est pas sur un pont vous allez aller faire des choses, faire des générations. Dites-moi, moi je veux savoir, dites-moi. Vous pensez qu'on peut aller faire
un fait de génération sur le pont HKB. Voilà, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Donc, madame de Fratmat, là, je profite de votre présence. Monsieur. Ah, c'est monsieur. Ah, d'accord. Je profite de votre présence pour saluer mon ami Venance Conan. Et puis, Aka Lambert, ce sont des amis à moi, puisque c'est nos voisins. Dites-leur que nous ne faisons pas ça pour le plaisir de le faire. C'est parce que nous sommes presque acculés, hein, et on veut nous mettre devant les faits accomplis. Comme je l'ai dit tantôt, et la grenouille là, le crapaud il est inoffensif, mais si tu le mets dans ton caleçon là. Alors je sais, Fatmat. Il est là. Il est là. Voilà, donc c'est l'excuse de le pont. Sinon, on ne peut pas savoir combien. Parce que ça a tellement énervé les gens. On a commencé un travail. Hein? Vous dites que vous êtes venu faire une étude et qu'à la fin, vous allez nous revenir pour faire la situation, le point de vos études. On est là, on vous attend. Vous ne venez pas. Et puis un matin, on se lève. On dit qu'on a affiché les noms de ceux qui sont impactés. Dites-moi, vous êtes là, vous êtes deux hommes. Tu te lèves du matin, on dit voilà, on a affiché ton nom là-bas, on va casser. Dans quelles conditions? C'est ce qui a révolté les. Voilà. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire. Chef, pour revenir au dédommagement, il faut aller. Le dédommagement dont il parle. Voilà. Il faut que ça soit sûr de tous. Personne ne va dédommager nos parents hébreux ici. Personne. Je vous mets au défi. Dites à l'État. L'État, c'est un État. Il a des archives. Le montant qu'ils ont donné à nos parents, ils n'ont qu'à faire apparaître. Ils n'ont qu'à faire apparaître. On entend par ici, par là. Oui, vous avez été dédommagé. On vous a donné le site. Mais le site, là, c'est pour qui? Des plateaux, là, c'est pour qui? C'est pas nos plantations? Ta chose, on dit on te donne encore cadeau. Où vous avez vu ça? Alors, cessez de nous embêter. Personne n'a dédommagé quelqu'un. Un État laisse toujours des traces pour l'argent qu'il décaisse. Vous êtes journaliste. Le président peut faire une faveur à quelqu'un. D'accord, il ne peut pas avoir des traces. Mais dédommager un peuple pour telle chose, nous, on dit, nous n'avons rien reçu, nos parents n'ont rien reçu. Et je le dis très fort parce que je suis né avant que Abidjan ne soit développé. Et je sais de quoi je parle. Alors cessez cette histoire-là. Vous, les journalistes, vous êtes cooptés pour dire la vérité aux gens. Alors, laissez les suspicions, laissez ceci, on dit on vous a dédommagé. Mais posez la question à l'État. Vous les avez dédommagés combien? Vous ne pouvez pas poser cette question? Et qui? À qui ils ont donné cet argent? Puisque nous, qui sommes héritiers, nous, on ne sait rien. Et c'est vous qui dites, oui. Nous, on a demandé d'aller aux deux plateaux parce qu'on était condensés. Et c'est une extension, messieurs, c'est une extension. Nous avons demandé à l'État de nous permettre de nous étendre, parce qu'on est étouffé. Alors, cessez de raconter vos ragots là, on vous a dédommagé, celui-là s'élève, depuis au fouet vous a... Allez réveiller au fouet. Demandez-lui s'il a donné 5 francs à quelqu'un, partout où ils ont pris là, ils ont donné l'argent à qui? Alors, ne nous fatiguez pas. Hein? On vous a tout donné, on vous héberge, on vous fait tout. Mais c'est vous voulez marcher sur nous. C'est quoi? On ne peut pas vivre tranquille. Alors, arrêtez ça. Nous ne souhaiterons plus jamais entendre que vous les hébriez, on vous a dédommagé, on vous a donné là. Vos parents qui sont là-bas, là, quand ils vont travailler, vous, on ne vous donne pas l'argent.
Et nous, vous avez tout pris, on n'a rien dit. Voilà une lagune qui est là. C'était notre économie. C'était notre activité. On était des pêcheurs, des planteurs pêcheurs. Aujourd'hui, on peut pêcher. Pêche même, vous avez pris. Et brièvement, sur la lagune, on le tue. Vous avez envoyé les amoureux, envoyé tout le monde. Tu vas à la pêche, on te tue. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Ça, vous ne voyez pas. Hein? Où est forêt? Vous dites, on mange à quelqu'un, on va planter manioc là où? Ça, vous ne parlez pas. Alors, arrêtez de nous embêter comme ça. Nous souffrons. Si vous ne voulez pas nous aider, ne nous aidez pas. Mais, de grâce, ne prêchez pas le faux. Pour dire à l'opinion publique ou bien à l'opinion internationale, pour dire que non, les Hébreux ont été. Mais prouvez, puisque nous, on n'a pas vu. Nos parents ne nous ont rien dit. Moi, j'ai assisté à la plantation où on a fait le cimetière Williamsville. Vous savez comment ça a été pris? On donne 10 francs par arbre fruitier. 10 francs par arbre. S'il y a colatier, c'est 10 francs. Il y a caféier, 10 francs. Il y a cacaoyer, 10 francs. Oranger, 10 francs. Et puis, vous êtes là, on a dédommagé. On a dédommagé. Arrêtez ça. Bon, moi, j'en ai fini. Vraiment, c'est un cri de cœur. C'est bon? Parce que on avait fini avec les questions. C'est fini? Hein? D'accord? Oui. Je peux avoir la liste des journalistes là. Comprenez-vous?